Putain les gars, j'ai envie de pleurer tellement que je suis content d'avoir fini, je vous jure putain. Et du coup je me suis mis une petite glace, là je sens plus mon corps, je sens plus rien, j'ai envie de pleurer putain. À 399 saltos. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vous explique aujourd'hui, on va faire un 24h challenge en faisant 1000 saltos arrière, ok? Bon, ça va être moins de 24h, en réalité je vais faire à peu près sur 17h. Donc voilà, là j'ai extrêmement froid là, je sais pas si vous voyez, mais waouh, il fait froid là, sa mère. J'ai fait un petit calcul très simple dans ma tête. Si je divise tout ça par 17h, du coup 60 000 saltos par 17h, ça nous fait au total à peu près 58 saltos par heure, ok? Donc si on divise par minute, ça fait près du 1 salto par minute. Donc voilà, comment vous dire que là du coup je vais commencer à faire mes premiers saltos. Et je pense que je vais pas attendre une minute. Et je vais faire à chaque fois des saltos arrière directement. Là je vais en faire le plus possible. Là je vais essayer d'en faire au moins peut-être une cinquantaine, on va voir. Parce que aujourd'hui je vais travailler, donc vous inquiétez pas, vous allez me suivre dans cette vidéo. Il n'y aura pas simplement que des saltos arrière, sinon ça risque d'être très très ennuyant. Tout sera en accéléré, vous inquiétez pas, avec de la bonne musique. Je vous jure, j'ai grave froid, j'en peux plus là. On va s'échauffer un peu là. Ah, je me suis clapé le cul. On va commencer le premier salto arrière. Le premier salto. Est-ce que vous êtes prêts à le voir ou pas? Ah, c'est dur hein. On va échauffer un peu la fille. Ah, la fille, oui. On va échauffer un peu la cheville parce que moi j'ai des gros problèmes de cheville à cause du skate. Du coup là j'ai senti que ça m'a fait un peu mal. Et si aujourd'hui je vais en faire 1000, ouais quoi, je sais que demain je vais me réveiller avec une douleur à la cheville, je le sais très bien. Du coup ici j'ai un petit compteur. Vous avez vu là j'en ai fait un. Hop, un salto arrière. Et on va faire comme ça jusqu'à 1000. C'est parti, plan accéléré. Wouh. Du coup j'ai choisi de prendre la technique à faire des saltos arrière à chaque fois, toutes les secondes limite, à en faire vraiment le plus possible sans vraiment essayer d'avoir une organisation au niveau du temps et des minutes et tout ça. Je me suis dit on va faire vraiment comme je le sens. Est-ce que à votre avis, dites moi dans les commentaires si vous pensez que c'était la bonne stratégie ou pas. Et bah écoutez, on verra bien par la suite, mais pour l'instant ça commence, je vais pas vous mentir, à être assez compliqué de garder le positif et se dire qu'on va réussir à faire les 1000. Mais on lâche rien et on continue la team, c'est parti. Ok la team, je suis actuellement à 24 saltos arrière. Honnêtement, franchement, je pensais pas que c'était aussi dur que ça. J'ai vraiment sous-estimé le challenge. J'en ai fait 20 en 7 minutes. On va pas se mentir, j'ai mal au cou. À force d'atterrir sur le dur, en fait j'aurais eu un tapis, ça aurait été le feu. Franchement je vais tout faire, je vais tout donner pour essayer de le faire aujourd'hui. Donc vous verrez à la fin de la vidéo si j'ai réussi à faire les 1000 ou pas. A votre avis, dites maintenant si je vais réussir à votre avis à le faire ou pas. C'est un petit sondage là qui s'affiche là. Dites-moi si vous pensez que je vais réussir à le faire ou pas. Honnêtement, il y a des grandes chances que j'y arrive pas, franchement. Eh, je suis à 24 saltos arrière et je suis déjà KO. Imaginez 1000 saltos arrière. Là, on peut même pas parler de moitié ou de quart ou de... Là, on parle de rien, là. 24 sur 1000, c'est rien. C'est là qu'on se rend compte, en fait. Quand les gens ils disent, ouais, 1000, c'est rien. Par exemple, quand t'as 1000 abonnés, c'est rien. Fais 1000 saltos arrière. On va voir si c'est rien, 1000, en fait. 1000, c'est énorme, mais on se rend pas compte. Bon, regardez bien, là, il est actuellement 10h du matin. Je suis par terre, à votre avis pourquoi, en train de filmer. Là, le challenge il est trop chaud. Dès le matin je me rends compte qu'il est très très dur là. Putain, je suis dans la merde gros. Nous sommes actuellement à 50 saltos arrière. 950. Comment vous dire que là franchement je suis exténué. Il est même pas 11h du mat, je suis déjà crevé. Vraiment c'est, je vous jure, ça fatigue. Ouah, la flemme. 2, allez, c'est parti, je deviens fou, 1, 2, ça fait du bien. 60 saltos arrière, 40 minutes, ok, moi je l'ai fait rapidement, c'est cool. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le studio. Youhou. Ok, ça y est, on est dans le petit studio. Je ne peux faire des saltos arrière simplement dans mon jardin. Bien sûr, je peux en faire dans mon salon là-haut, mais là dans mon studio, je peux pas, mon plafond est trop bas, du coup je peux pas et j'ai pas envie de tenter. JC Prod l'avait fait dans mon studio. Ce gros taré, vraiment. Bon, la team, je vous explique. Là, il y a un petit moment divertissant dans la vidéo et tout. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des saltos arrière, comme je vous l'ai dit. En fait, je vous explique. Je dois envoyer un montage fini aujourd'hui à mon pote. D'ailleurs, sa chaîne YouTube, c'est Fitness Fusion. Allez le suivre sur YouTube. Il fait des superbes vidéos. Sauf que, écoutez-moi bien, je lui ai fait un montage que j'ai pas encore fini, donc un bon montage. Et je lui ai fait un deuxième montage, mais dégueulasse, éclaté au sol. Et je vais lui envoyer celui-là. Et on va voir sa réaction. Ça va être drôle, j'ai envie de voir un peu sa réaction, ça va être cool en plus. J'ai mis ça, vous savez que vous connaissez Alerte Google, mais là je l'ai laissé exactement pendant 26 secondes, c'est interminable. Regardez ce que j'ai mis pendant les pompes. Ouais, t'inquiète, ça va frérot?
Ça va et toi? Ça va. Gros. Quoi? Tu sais que la vidéo que je t'ai envoyée, gros, je me suis foutu de ta gueule. Hein. Tu t'es foutu de ma gueule? Je suis en train de... Parce qu'en fait, là, je suis dans ma vidéo, tu sais, 1000 saltos arrière. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit truc drôle pour la vidéo. Et du coup, j'ai fait exprès de te faire une vidéo en 5 minutes de merde et te l'envoyer. Ah, l'enfoiré, je voulais pas te le dire. Ah, mec, je me disais, il est trop gentil. Il y a trop de travail, il pleut fort et tout, c'est pas possible. Ah, mec, je me suis dit, j'ai pas du tout aimé. Vas-y, mon gars. Vas-y, salut, t'inquiète. Bon, vous avez vu, c'est exactement ce que je pensais, c'est qu'il avait, il osait pas en fait me dire que c'était de la grosse merde. Et vous voyez que ça se voit que c'est un bon gars, genre, c'est ouf, genre. Même moi, j'aurais pas osé dire. Et il y a des autres dehors, tiens. Elle est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais viens! Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que t'as fait? Regarde ce que j'ai fait. Je t'ai affiché partout. Pourquoi elle a mis des photos de toi? Mais voilà. Maman, c'est quoi l'intérêt de ça? Non, mais parce que. En tout cas, ça fait du bruit de ouf là. Anthony, arrête les conneries, c'est tout de suite. Ah bah, tu veux en arrêter les saltos aujourd'hui. Hein. Elle me dit arrête les saltos, je suis très loin. Okay. Anthony, t'es chiant. C'est lourd. C'est... Hein. C'est bon, tu vas te faire mal là. Stop! Elle est sortie, t'as mes oreilles. Mais t'es au courant que tout tremble quand tu fais ça, c'est hyper dangereux. Hein. Arrête, Anthony, c'est tout. Tu arrêtes maintenant. Maman, mais j'ai un challenge aujourd'hui, ça fait 1000 saltos une journée. Mais tu les fais pas ici, tu les fais dehors. Mais je, ma tête m'a marre de toujours voir le dehors là. Il y a le petit chien qui va là. Ouah. Et alors? On passe, on va pas dire. Vous les avez pas. Ah mais quoi? Ok, 80, c'est carré. Bon là franchement ça commence à être plus simple, je sais pas pourquoi parce que ce matin j'étais fatigué du coup j'arrivais pas. Là ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. Genre je les envoie beaucoup plus enchaînés les uns sur les autres par rapport à ce matin. Wouf 8. T'as filé record pour l'instant. Milou, va là. Oh pauvre gosse. Ah, 100. Ah, les sentiers, dur. T'en reste 900. Ta gueule. Oh, le bâtard. 100. Et du coup, j'ai trouvé un tapis là. Du coup, je vais avoir beaucoup moins mal au talon. Du coup, ça va être carré. Je vais pouvoir en faire beaucoup plus. Il arrivera pas. Vous avez entendu? Ouais, swipe la vidéo. Swipe la vidéo, il a dit carrément. Oh ouais. Oh, pas ouf. Je préfère le sol, les gars. Je vous dis pas je suis à combien, mais j'en suis déjà... Bon, très loin du score, mais bon, allez, on continue, on lâche pas. Allez. Comment tirer 10 coups en une seule fois? Comment tirer? Pourquoi 10 coups? J'ai pas compris. 10 capotes. Oh là là. Oh la blague de bouffe. Bon, je sors un peu, ça fait du bien. C'était pas prévu. Mais du coup, ça va me ralentir pour les saltos, mais c'est pas grave. Et du coup, là, on va chercher les cours. Ça fait du bien de sortir. On dirait que la ville, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. J'ai jamais fait ça. Et je suis actuellement à 110 saltos arrière. C'est compliqué. Mais là, on est en train de faire les courses. Du coup, je perds un peu de temps. Là. Baba, tu peux pas comme ça demander. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes actuellement à 4h23. Nous sommes actuellement à 110 saltos arrière. Allez! Plus qu'un seul et on est sur une dizaine. En gros, je vais vous expliquer comment ça marche. Ok, vas-y, viens. En gros, j'explique. À chaque fois que tu fais 10 saltos, j'avance la chaussure vers là-bas. Donc en gros, là, j'en ai fait 10, 20, 30, 40. Et je vais aller ainsi de suite jusqu'à là-bas. J'ai archi mal au... C'est ce qui me freine le plus. Là, je viens d'en faire exactement 50 en 20 minutes. Alors que de base, 50, c'est ce que je devais faire en heure. Je voudrais qu'on voit que grave mal au fouille. Allez, on va faire en même temps. 1, 2, 3. Comment on remet en arrière? Oh 3. Anthony, ça va pas. Tu sais que c'est pas bon pour ton cerveau. Anthony Warbody va nous faire un salto en direct. Bien. Ça va pas. Anthony, c'est bon là, je pense. Ta gueule. T'es malade, tu vois. Là. Mais tu fais ta gueule, Anthony. Viens, 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 viens.
Anthony, tu m'as combien? Ça marche. Je suis à 170 salto arrière. Ça monte, ça grimpe, mais c'est dur. C'est pas parce que il y a plus de plan, même en accéléré ou quoi, que je l'ai pas fait. C'est juste que voilà, rien que pour vous, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et même pour moi, j'ai plus d'espace. Je vais plus avoir d'espace nulle part là, donc c'est compliqué. C'est que seulement 30 secondes, donc faut se donner à fond le plus possible. Après, vous allez avoir la petite récupération de 30 secondes. Là, je suis actuellement à 200 salto arrière. Et bah, je pense que je vais arrêter là parce que. Bah, jamais de la vie, les gars, vous êtes fous ou quoi? J'ai mis un petit chapeau parce que là, je sens que je perds la tête. Bon, écoutez, faut arrêter de calculer, au bout d'un moment, faut passer à l'acte, quoi. J'en peux plus. C'est tellement dur que je peux pas avec ça. Ça me gêne, j'ai pas envie de faire de la. Je commence à avoir hyper mal là. Je ne pas sur ce. Prenez soin de vous. Merci! Anthony, mais touche pas ça, là je suis contracté dedans. Mais tu fais quoi là, Anthony? Mais t'as raté un câble à cette vidéo là! Aïe! Arrête, viens là! Tu l'as fait aussi pour les personnes sur la vidéo. Pas là-bas. S'il y a qui rec, c'est que ça filme. Oui. Cassez-vous! Putain, mais t'es un chien! Secouler, non! Secouler de quoi? Mais Anthony, tu pètes un câble là! Et là, tu les secoues là. Bon, allez, là on reprend. On a fait une petite pause de au moins 30 minutes. Allez, c'est parti, on reprend. C'est ça. Je jure, je suis défoncé, ça me défonce de faire tout ça là. Mon mental, il est... C'est trop bien pour le mental, je vous jure. Alors écoutez-moi bien. Je suis actuellement... 250 salto. Ouais, et il est 16h27. Bon, comme vous aurez pu comprendre, j'ai perdu du temps à aller chercher les courses et ensuite de ça à manger. Malheureusement, en plus, après manger, la digestion était vraiment présente. Je suis à 260. Qui veut voir un salto arrière? Vous en voulez encore? Là, la prochaine fois qu'on me demande de faire un salto arrière, je vais faire une tarasse, gros. Attendez, focus. Donc ce qu'on va faire là, c'est que là, j'en peux plus, donc je vais essayer de demander de l'aide à des gens qui savent faire un salto arrière. Donc je pense à qui en premier? JC Prod. Allô? Ouais gros. Ouais. Ouais, tu sais, je suis en train de faire ma vidéo là où je dois essayer de faire 1000 salto arrière là. Ça commence à être très chaud. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que il me faudrait un peu d'aide. Ouais, attends, tu veux que je fasse quoi là? Carreau? Bah allez gros, t'es sérieux ou quoi? Vas-y. Je. On relève le défi. T'en fais 50 si tu veux. Vas-y, courage. Cimer. Bon les refs, on va aider Anthony Workbody là vite fait parce qu'il est en galère le con. En même temps, ce défi, il est impossible frérot. T'es un malade. Bon voilà, j'espère que tu vas réussir. Les gars, ça mérite que vous lâchiez un like. Je vais l'aider un peu, Smarty. Ok les gars, donc voilà. Petit goudron, on va se mettre là et on va enchaîner. C'est parti, Workbody, je relève ton défi. Je suis mort. C'est hyper physique. Grosse force à toi, Workbody. Anthony, t'es mort. Vas-y frérot, petit bonus pour la fin. Celui-là, il est pour toi, Workbody. Et ça, mon gars, ça vaut 5 points. Mon gars. Bon voilà frérot, moi j'ai fini ma partie. Je suis mort. En tout cas, grosse force à toi, gros courage, je te laisse prendre le relais mon gars. Pour les 300, il m'en reste 7, 8, 9, 10. Il m'en reste 30 à faire et pour les 30 à faire, je pense que je vais les faire juste devant. Vous inquiétez pas, je sors pas de chez moi, juste un conseil encore une fois, même si je l'ai pas dit la dernière fois dans l'autre vidéo. J'avais oublié de vous le dire, mais c'est super important, restez chez vous, ne sortez pas, ça sert à rien. Arrêtez de prendre des risques, vous prenez des risques surtout pour vous et surtout pour les autres. Donc ça sert à rien, c'est prendre des risques inutiles. Donc moi je sors juste devant mon portail, je vous le dis, hein, j'habite là, donc je sors devant. Commencez pas à dire dans les commentaires, ouais, tu fais n'importe quoi et tout. Allez, c'est part du coup là, comme j'ai dit, je me suis mis dehors, parce que là psychologiquement d'être dans le même endroit depuis tout à l'heure, ça commence à me saouler. Allez, 300 maintenant, fuck up. A few moments later. Et voilà quoi, c'est la merde. Du coup, bah, je vais pas arrêter là. Je suis actuellement à 300, j'en ai pas fait depuis tout à l'heure. Je me suis laissé une bonne pause de 30 minutes. Parce que là, j'ai mal de partout. Et je vais faire avec le tapis et bon, on va continuer la team. On va mettre un peu de musique, on va s'enjailler et on va continuer, ok? Let's go, bitch! Et papa ne veut tout un papa. Je fais les couches et si je suis pas ma mère, la bouche et la couche sont de trouver. Après 20 heures, les keufs d'une nuit.
Voilà, n'oubliez pas la team, on ne lâche jamais rien, on reste focus. Bon bah écoutez la team, là je suis actuellement à 330 salto arrière. J'ai tellement mal, comme je dis tout à l'heure, au bord du pied, que du coup je me suis mis une petite glace, là je récupère un peu. Bon allez, on repart, on enlève la petite glace et c'est parti. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai fait 350 saltos arrière. Je suis actuellement 8h21 de tournage. Et il est actuellement 18h27. Ok ? Donc, je me suis levé ce matin à 9h. J'ai dormi 4h cette nuit. Je suis pas en train de vous dire j'arrête. Simplement que là, ma cheville, je sens que j'ai mal quand même. Vous avez vu quand j'atterris et tout. Et je sens que du coup, je m'en force plus sur la cheville droite. Alors, sachant que la cheville droite, j'ai un problème depuis tout petit. Il manque un bout d'os à cause du skate. Ce qui va se passer, c'est là que je vais prendre une récupération. Et 18h27, de toute façon, je me suis donné un challenge. Je me suis dit j'arrête à 3h du matin. Ok ? Donc, si tout à l'heure, je me sens chaud à le refaire, en tout cas, j'ai pas envie de lâcher. C'est mon corps qui veut plus suivre là. Et je suis dégoûté. J'étais motivé à en faire encore. Pour l'instant, je suis vraiment fier d'avoir testé ça. Et même si j'arrive pas au bout, je serai fier. Parce qu'au moins, j'aurais essayé. Et en plus de ça, j'aurais pas triché, donc je vous aurais pas menti. Allez, à tout à l'heure, je vous fais des bisous. Ouh. Mais du coup, là, en visant 1000, c'est énorme. Et du coup, je pense que sans avoir d'objectif, j'aurais pas été très loin. Mais là, vu que j'ai un objectif en tête, j'essaie un maximum de me rapprocher de cet objectif, tu vois. Ok. Ah, je sais pas si ça vous arrive chez vous, quoi. Enfin, ceux qui font des saltos arrière. Je sais pas, je peux pas vous expliquer, mais en fait, le son, il redescend d'un coup dans les mains et ça pique. Ça picote, mais de ouf, ça fait trop mal. Par contre, ça va pas me le faire si à chaque salto, ça me fait mal aux mains comme ça, c'est horrible. C'est quoi ton site ? Workbody.fr. Oh ! Oh, qu'est-ce qui s'est passé à Yo là? Ça me moque que tu regardes comme ça? Moi personnellement là pendant le confinement j'ai l'impression d'être en vacances d'été. Là c'est maintenant que tout va se jouer la team. On est bientôt sur la fin de la vidéo donc s'il vous plaît mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne. Vous voulez voir des choses comme ça encore une fois, vous avez aimé ce genre de concept, croyez-moi je vais en faire encore plein. Vous inquiétez même pas, je suis fou, j'ai envie de faire plein de trucs. Plus je vais grandir et plus je vais faire des vidéos de dingue parce que j'aurai plus accès à faire des choses de dingue. Donc croyez-moi, vous êtes pas prêts les gars. Enfin bref, je parle mais il te reste quand même des saltos à faire là. À 399 saltos, 10 heures. Ça fait 10 heures que j'ai commencé cette vidéo, 10 heures que cette caméra est allumée. Du coup, j'ai deux solutions. Soit je continue et je risque de me blesser parce que j'ai extrêmement mal à ma jambe et que quand j'atterris, je m'appuie plus sur l'autre ou la cheville, j'ai un problème. Solution numéro 2, je décide d'en faire un dernier pour arriver à 400 et d'arrêter la vidéo et d'être assez fier quand même de mon score. Et je pense que même sans ce soir... Ah putain. C'est ça mon problème, c'est que j'arrive jamais à m'arrêter. Là je voulais vous dire que j'en fais encore un et j'arrête la vidéo. Mais je me dis qu'il me reste encore tellement de temps. Il est que 20h39. J'ai le temps d'arriver jusqu'à 500. Je fais quoi, je m'arrête maintenant ou je continue? La team, vous me connaissez, je ne baisse jamais les bras. Donc écoutez, ce soir je ne quitterai pas ceci sans avoir fait 500 putains de saltos arrière. C'est décidé la team. J'ai JC Prod qui m'en a fait une trentaine je crois. Donc je pourrais en gros en faire beaucoup moins. Mais j'ai envie de jouer le jeu jusqu'au bout. J'ai envie d'arrêter d'atteindre 500 seulement avec mes saltos arrière. Honnêtement, à ce moment-là, j'avais énormément mal à ma cheville. J'avais mal de partout, réellement. Là, pour vous dire, je fais cette voix off 2 jours après ce tournage et j'ai extrêmement mal. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai mis au moins 15 secondes à descendre ces marches. Donc vraiment, la team, j'ai donné le meilleur de moi-même et je pense que je n'aurais pas pu aller plus loin ou alors peut-être aller plus loin mais prendre le risque de me blesser. J'ai pas réussi à faire les 1000 saltos arrière. Mais écoutez-moi bien.
J'aurais pu très bien fake cette vidéo, tricher et faire genre que j'avais réussi à faire les 1000 saltoirières. Moi, mon but, c'était d'aller le plus loin possible en restant sincère avec vous et surtout sincère avec moi-même. C'est ça, c'est le plus important, je pense. Croyez-moi, ça va être une bonne leçon de vie de se dire qu'il faut se donner le maximum de soi-même. Et une fois qu'on a donné ce maximum, croyez-moi, après, vous allez être vraiment fiers de vous à vous dire, ok, là, j'ai donné une merde de moi-même, j'ai peut-être pas atteint ce que je voulais atteindre, mais en tout cas, j'ai tout donné. Et ça, croyez-moi, c'est la meilleure satisfaction au monde. Comptez ça. Oh my god, plus que deux la team, vous rendez pas compte à quel point je suis sur la fin et ma vie va être libérée, délivrée. Le dernier quoi, le dernier de la vidéo, genre c'est, vous rendez pas compte à quel point c'est ouf. Genre c'est le dernier de la vidéo, genre putain. Eh la team, celui-là il est pour vous, merci d'être resté jusqu'à là. Si vous êtes resté jusqu'à là, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé la vidéo. Putain les gars, j'ai envie de pleurer tellement que je suis content d'avoir fini, je vous jure putain. J'en pouvais plus, j'entais plus mon corps, c'est une horrible. Je sens plus mon corps, je sens plus rien, j'ai envie de pleurer, putain. Et vous savez quoi? Parce que dans les commentaires, j'ai pas eu qu'on dit t'as fait que la moitié. Et bah non, parce que si j'en fais un là tout de suite, là. Ah, on est plus sur la moitié, on est à 501. Et ouais, les gars. 500. 501, les gars. 501 salto, putain. Là, tout ce que j'ai à vous dire. Le plus important, c'est que là, écoutez-moi bien, j'ai fait 501 saltos en 11 heures. Donc là, logiquement, ouais, 11 heures. Donc là, logiquement, il devrait me rester encore 13 heures devant moi, ok? Je pourrais avoir encore 13 heures. Donc logiquement, j'ai même pas fait la moitié, ok? Donc logiquement, je pourrais recommencer, mais non, j'ai pas envie. Je vais me blesser, je vais aller trop loin. Là, je pense que 500, c'est l'objectif que je voulais. Donc là, on va s'arrêter ici. F you, ouais, le lendemain, quoi. Je crois que je me suis déchiré les abdos, j'ai trop mal aux abdos, putain. Oh, c'est la première fois de toute ma vie. Je peux dire, je peux vous dire, j'ai travaillé les abdos. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai autant mal aux abdos. Putain de merde, mais je le sens plus. Voilà team, j'ai fini cette vidéo à l'iPhone, je suis désolé parce que je suis KO même deux jours après ce tournage. Là, je finis le montage, je viens de terminer, franchement je suis trop fier de ce montage, j'ai adoré, c'était trop bien. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne si vous l'avez bien aimé et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme d'autres défis. Je pourrais réaliser plein de défis de ce genre-là, le dépassement de soi c'est ce que je préfère le plus. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, allez, bisous, bisous.